Les désinformations internetisées est une émission d'info créée il y a 2,5 ans. À l'origine, cette émission décrivait et analysait avec plus ou moins d'humour un fait insolite avec un petit sketch. Puis 2 ans plus tard, le géniteur des désinformations internetisées a décidé de tout foutre à la poubelle et a lancé un tout nouveau journal politique. Trop sérieux en fait. Mais avec toujours plus ou moins d'humour. Mais qu'est-ce qu'on a pu vivre pendant ces 2 ans et demi? Deux ans et demi de sport, 2 ans et demi de manifestations, 2 ans et demi d'high-tech, 2 ans et demi d'attentats. Enfin bref, j'ai déjà tenu 2 ans et demi sur YouTube, et c'est beaucoup. Et comme c'est beaucoup, retournons à nos tout débuts. Au moment où j'étais très timide devant la cam, où j'étais pas drôle et pas très intéressant. Au moment où il n'y avait pas encore de top ni de pute à cliquer sur YouTube. Bref. Retournons en août 2014, à nos tout débuts, quand on venait tout juste d'avoir un mois. C'était le 3 septembre 2014 que je lançais le tout premier News What The Fuck et non des informations internetisées. Tu le sens déjà venir la merde? Et à cette époque, Hollande était déjà dans une belle merde. Car après qu'on ait découvert que Hollande ait trompé sa femme, enfin première dame Valérie Trivaler, bref, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi parce que voilà, on a découvert qu'il a aussi trompé sa population française. Avec ce livre, non mais... Ne me dites pas qu'il y aura encore plein de textes écrits en tout petit. Merci pour ce moment. Avec des révélations choc telles que à l'Elysée, je suis déjà traité comme une paria. Au gouvernement, seuls 4 ministres osent m'adresser un mot d'amitié. Manuel Valls et Pierre Moscovici, dont on me disait si proche, n'ont pas dû se souvenir de mon numéro de téléphone. Et je vous promettrai que je ne tromperai jamais les Français et les Françaises en 2017. Par contre, j'ai le droit de tromper tout ce que je veux. Regardez par exemple, avec l'argent des impôts, je me suis payé 800 millions putes de luxe. Et aux dernières nouvelles, Valérie Trivaler a fait une course à pied, un raid quoi, et elle a fini par faire un malaise. Voilà. Oui, parce que chez les médias, on veut toujours raconter des mauvaises choses. On veut 0% de bonheur. C'est ça notre passion. Puis quelques jours après, on a eu l'iPhone 6, un énième téléphone arnaque de la marque Arnaque, et surtout c'est le premier téléphone à se plier. Qui avait deviné qu'un jour Apple sortirait un livre qui servirait à rien et qui coûterait la peau du cul? Bah moi déjà, je l'ai presque deviné 1 an et demi avant. Bon ok, je vous explique parce que vous êtes vraiment cons. Alors une fable c'est une œuvre littéraire et une œuvre littéraire ça tient dans un livre. Voilà, vous êtes contents? Et encore une fois, on a le meilleur traitement de l'info pour ce truc. Parce qu'on s'en fout des autres marques de téléphone genre Nokia, Samsung, voilà. Mais Apple, attendez, Apple, c'est comme Barack Obama, c'est une star. Et l'événement insolite de cette année, c'est certainement le mec qui paye en billet de Monopoly. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de payer avec un billet de Monopoly? Car un mec l'a fait, enfin! Découvrez la nouvelle monnaie. Voici en exclusivité universitaire la nouvelle monnaie d'échange. Le jouet. C'est bizarre, putain, il faut que je m'échappe, putain. Et que j'avais même mis en bande d'annonce de cette chaîne. Oui, effectivement, j'ai une très bonne mémoire. Maintenant, faisons table rase à 2014 et passons à 2015. Et cette année-là, on a appris un tout nouveau mot, attentat. Avec ces 3 jours de malheur à Charlie Hebdo et avec Daesh. Et le même jour des attentats, on a décidé de tout bloquer. Attendez un peu que je vous lise les conditions du niveau maximal d'attentat, Vigipirate, qui vient tout juste d'être changé ce 1er décembre. Plus aucun métro ne va fonctionner. Et on n'aura même plus le droit de rouler sur la route. Vous voyez quand même qu'on veut tout bloquer et qu'on ne peut plus rien faire. Moi, président de la République en 2017, je promettrai pour un niveau alerte Vigipirate version bombe atomique de Daesh qu'on irait poser au moins 3 militaires ou policiers devant chaque maison. Même quand un mec et une meuf sont en train de se faire plaisir. Comme ça, il y aura toujours des attentats, mais au moins on ne nous dira pas qu'il y avait une faille. Et aussi, les policiers arrêteront de nous faire chier dans la rue. Parce que merde à la fin, il y a trop de bordel, les gens pas contents. Il faudrait se calmer un peu, non? Bon, quittons tout de suite les attentats pour aller parler de sexe. Avec le film 50 nuances degrés où l'actrice principale Dakota Johnson a déclaré qu'elle voulait pas que sa mère regarde ce film. Et bah, vu le succès de ce film, je pense que c'est mal barré. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est bien ma fille. Enfin je crois. Puis ensuite il y a une loi dont tout le monde a été prévenu il y a au moins 5 ans mais qui a été tout de suite oubliée après. La loi détecteur de fumée. Mais si, la loi qui nous oblige à mettre un détecteur de fumée dans chaque maison. Sinon il y aura une amende. Résultat, tout le monde ou presque a acheté un truc en forme de meuble chelou, enfin bref, et qui des fois te fait péter les couilles quand il sonne. Mais comme il n'y a pas d'ambiance quand le policier est à chaque coin de rue, on a décidé de mettre un peu d'ambiance en obligeant tout le monde à acheter un truc en forme de... Comment ça s'appelle déjà? Ah là là,
On n'arrête pas les lois à la con en France. Comme le fait que les femmes n'aient pas le droit de porter de pantalons jusqu'en 2012. Et ensuite, encore un attentat en Isère qui a fait un mort dans une usine américaine. Mais comme ce n'est pas à Paris, mais que ça s'est passé dans les profondeurs du cul de la France et tout, même dans l'anus de la France, j'ai envie de dire, personne ne connaît cet attentat. Voilà le traitement de l'info. On veut toujours plus de dégâts, de scandales, de bites et de sexe. Oui, l'été 2015 est passé, sauf qu'il y avait eu encore une tentative d'attentat, mais qui a été déjouée. Et oui, et ça c'est génial, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, j'en suis sûr qu'il y a 90% des gens qui trouvent que je suis un peu trop chiant, même trop chiant. Alors vous savez quoi? Je vais vous laisser avec la téloche. Le 21 août 2015, le train Thalys numéro 9364 quittait donc Amsterdam à 15h17 à destination de Paris, et arrêts en gare de Schiphol, Rotterdam, Anvers, Bruxelles, entendant les détonations et apercevant El-Khazani pénétrant dans la voiture 12, porteur de son fusil d'assaut, dont les nommés Anthony Sadler, de nationalité américaine, Marc Mougalian, de nationalité franco-américaine, et Christopher Norman, de nationalité britannique, à la Division nationale antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire, à la Direction générale de la sécurité intérieure, et à la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille. Puis après, il y avait eu encore un mort. Putain, mais il y a que des morts dans l'actu ou quoi? C'est le président de Nintendo, Satoru Iwata. Et devinez aujourd'hui ce qu'on a chez Nintendo? Beaucoup de baisse, puis une explosion de ouf avec Pokémon Go, puis rebaisse. Et comment expliquer tout ça, Jamy? C'est tout simple. À cause des joueurs qui, comme moi, ont été traumatisés par des jeux Wii ou DS qui sont soit trop durs, soit trop chiants, soit trop mauvais, ou soit les trois. Fait par des développeurs qui sont attirés que par les frics. Voilà. On vient de démontrer par A plus B que le Nintendo Seal of Peace ne sert à rien. Enfin si, à part casser les burnes des développeurs. Puis en août, vous l'aurez deviné, il y a eu l'explosion à Tianjin. Une explosion qui a tué pas mal de casques et d'écouteurs aussi. J'en suis désolé. Oh shit! Oh my god! Non, 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 non. Puis ensuite, à la rentrée, on n'a pas eu de mort, c'est génial! Puis ensuite, en novembre, un deuxième attentat s'est produit chez nous. Un attentat encore plus meurtrier que celui de Charlie Hebdo, de Saint-Quentin Falavier, de l'hôtel de Sousse en Tunisie, de la mosquée chiite en Koweït et à Bangkok réunis. Et là, vous vous dites qu'il y a eu genre 10 000 morts, ou même 20 000 morts, ou même 100 millions de morts. Et ben en fait non, il y a eu juste une centaine de morts. Voilà un exemple de manipulation. Puis ensuite, c'était la COP 21 à Paris. Et pourquoi cette COP est plus importante que les autres? Eh bien parce que c'est à Paris et pas ailleurs. Voilà, on assume bien le parisianisme. Puis enfin, pour terminer l'année, on a eu les élections régionales, avec 0% de votants FN. Eh bien, Marine Le Pen devrait être bien contente. Et moi, Arnaud Le Pen, je prometterai un pays ouvert à la culture, à l'art, à la liberté, un pays égalitaire avec 0% de chômage. Et c'est nul. Nous, on va tous voter le PE, le parti extrême. Voilà, résumé, l'année 2015 ou l'année des morts, c'est comme vous voulez. Cette année est finie et passons à la suite. 2016. Et pour commencer cette année, on va parler de Corée du Nord. Oh oui! Avec son essai nucléaire présenté par cette présentatrice-là. Et cette présentatrice-là est très spéciale puisque c'est elle qui présente tous les événements super importants du gouvernement nord-coréen depuis des dizaines et des dizaines d'années. Même si elle est à la retraite, même si elle est fatiguée, sur la seule chaîne de télévision nord-coréenne. Une présentatrice classique chez la seule chaîne de télé nord-coréenne. Pourquoi notre dictateur bien-aimé est mort? J'aimais bien voir un tas de gens dans une rue toute dégueulasse. J'aimais bien voir des morts qui ont voulu passer la frontière. Puis après cet essai, on va tout de suite retourner chez Satan. Car on a eu la loi travail, une loi qui fait que le travail sera plus chiant et tout et tout. Alors il y a eu plein de gens qui ont manifesté, il y a eu plein de blessés aussi, il y a eu plein de arrestations, il y a eu plein de tout en fait. Et en été, les derniers manifestants ont pu retourner chez eux. Et oui, puisque pourquoi? Car la loi travail a finalement été votée cet été. Et oui, c'est ça un bon gouvernement. Un bon gouvernement qui nous écoute. En parlant d'été, on va parler de déchirement avec le Brexit. En gros, le Royaume-Uni se casse de l'Europe. Voilà, c'est tout le topo. Puis on va parler sport avec les Français qui sont arrivés en finale de l'Euro 2016. Et oui, c'est trop génial. Contre le Portugal où Cristiano Ronaldo a été blessé, a pleuré et tout et tout. Et à la fin, la France a perdu. Ah bah, tu m'étonnes, hein. Vu comment j'ai mal au cœur quand je cours, déjà,
Bon voilà, vous m'avez compris. Puis tout ceci s'accompagne d'un énième attentat dont on n'en compte plus les morts à Orlando, suivi encore d'un autre attentat à Nice, et suivi encore d'un autre attentat en Allemagne, suivi encore d'un autre attentat en France dans une église. Mais bon, après on va reparler sport avec les Jeux Olympiques de 2016. Les Jeux Olympiques qui ressemblent aux autres Jeux Olympiques, avec aussi son lot de rasage de bidonville. Quelques mois plus tard, nouveau malheur avec Trump qui cette fois-ci a gagné les élections présidentielles aux USA. Un mec qui a fait des immeubles, qui a travaillé dans un restaurant, qui a traité les femmes d'objets sexuels à se servir, à... En fait, du jour au lendemain, il est passé de mec un peu trop chelou accro au sexe à homme d'État. Et pour finir, ces derniers jours, on a eu François Fillon. François Fillon qui a été élu aux primaires. Ce qui fait que je peux prédire l'avenir puisque, dans quelques mois, vous entendrez encore plus parler de lui. Donc, ok, pour résumer, pendant que je faisais mes désinformations internetisées sur des infos insolites, etc., etc., on peut dire que le monde, c'est de la merde. Bon, je crois qu'il faut que je résume 1 minute 30 de bonheur parce que sinon, je vais me faire lyncher en me traitant de BFM TViste. Jingle. À partir d'octobre 2014, on a eu le mondial de l'auto pour les fans d'auto. Quelques mois plus tard, on a eu la Tour One World Trade Center qui a rouvert ses portes. Et en décembre 2014, on a eu rien de bien. En 2015, en janvier, on a eu rien de bien aussi. En février, c'est pareil. En mars, on a eu l'éclipse solaire totale qui a été presque visible en France. Ou pas en fait. Non mais sérieux, ce jour-là, je n'ai vu que dalle. En juillet, les États-Unis et le Cuba redeviennent copain-copain. Puis à la rentrée, Elisabeth II est devenue la reine qui a régné le plus longtemps au Royaume-Uni. Puis en 2016, on a eu... que dalle. Bon, c'est vrai, c'est tout ce que j'ai trouvé en bonne info. Dites, j'ai une question. Est-ce que vous vous souveniez, avant d'avoir vu la vidéo, que les États-Unis étaient redevenus amis avec le Cuba? Est-ce que vous vous souveniez de l'ouverture du One World Trade Center? Non? Eh ben voilà. Vous venez de démontrer que les médias français n'était juste attiré que par le fric, le bad booze, les bites, et surtout Satan. Voilà le lobby média Satan. En vrai, c'est juste pour faire quoi? Pour vendre des écrans publicitaires. Et à la fin, on ne sait pas si le monde est vraiment dans la merde ou pas à cause de gros boulets, à cause de ta cravate qu'ils veulent profiter des autres. Bref, j'en suis sûr que dans 2,5 ans après, ça sera la même histoire. Enfin, on se retrouvera quand même pour les 5 ans de la chaîne en 2019. Et sinon, pour ne pas déconner, eh bien, on se retrouvera aussi demain pour une vidéo bonus. Et on se retrouvera enfin vendredi pour une énorme vidéo que je vous laisse la surprise. Donc voilà, salut à tous et à la prochaine. Et portez-vous bien.